of the NBA. Here's a Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by. Man, this is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. Le sport est universel, mais l'émission, pardon, Hype est unique. Merci d'être là, encore fidèle au rendez-vous. Un nouveau numéro, on va parler de Wemby, on va parler des playoffs, puisque ça y est, c'est la post-season du côté de la NBA. Puis on aura même un petit sujet du côté de New York avec notre ami Emric. Et pour parler de tout ça, on va accueillir notre équipe Hype, qui est toujours présente, fidèle au poste cette semaine, et notamment Paul. Comment vas-tu, Paul ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Encore un beau plateau aujourd'hui, hein, même si ça nous rappelle cruellement que le cheveu est une denrée rare. Voilà. Oui, effectivement. Tu spoil un petit peu. Moi, j'avais une question. J'ai failli venir avec un balai aujourd'hui. Ouais. Et je l'ai oublié, malheureusement. Pour les, qui les Lakers, non ? Ah non, c'était un gentleman sweep, monsieur. 4-1. 4-1, pardon, oui, c'est vrai. C'était j'avais pas loin. Ils n'allaient pas se faire sweeper. C'était pas ils loin. Ils ne se sont pas fait sweeper. Un homme qui supporte les Bulls qui ne sont pas en playoff, malheureusement. Non, on va pas en parler. Hein. On va pas en parler ? On va dire bonjour quand même, non ? On va quand même dire bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Ok, on va présenter notre invité du jour, plus qu'un invité, un collègue avec qui on partage quelques discussions ici et là. On va pas parler de rugby avec lui, on va parler de basket. Fan d'OKC apparemment. Ouais. S'appelle Farage. Fan de Westbrook. Ouais. Mais j'aime beaucoup OKC. Ok, on parle de rugby parce que t'as été international. Marocain. Oui, ça date. Ça date. C'est gentil, merci de le rappeler, ça me fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir, nous, de t'avoir avec nous. Et je courais vite. Pourquoi OKC ? Eh bien, à l'époque, j'avais beaucoup aimé l'équipe Westbrook, Durant, Harden. T'es au courant qu'ils sont plus dans l'équipe, hein. Ibaka, oui, c'était cette équipe-là, c'était une belle équipe qui n'a jamais gagné, mais c'est eux qui m'ont fait aimer, on va dire, plus aimer la NBA. Ok. Et aujourd'hui, si tu avais un joueur hype, comme ça, spontanément ? Bah c'est toujours Westbrook. Hein. Toujours Westbrook ? Ouais, toujours. C'est plus le même qu'avant, mais... L'énergie, la passion qu'il a pour le jeu. Ouais, exactement. Le joueur des Clippers. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Un rôle un petit peu différent de ce qu'on a connu quand il était à OKC. Et puis, effectivement, à voir s'il peut rester dans cette équipe des Clippers. Ça sent la fin. Ou pas. Ça sent la fin. Enchaînons-nous tout de suite sur le début d'une belle histoire, celle de Wemby, puisqu'il vient d'être élu Rookie of the Year, donc le meilleur débutant de la saison en NBA. Donc, pour certains, c'était attendu. Pour d'autres, il y avait encore quelques doutes. Là, il a mis tout le monde d'accord en étant élu donc Rookie of the Year à l'unanimité. Ouais. Est-ce que ça vous surprend, et toi, Paul, peut-être, le fait qu'il soit élu à l'unanimité ? Un petit peu dans le sens où, si on voit la première partie de saison, il y avait beaucoup de consultants qui disaient clairement que Holmgren était encore derrière lui. Et puis, avec la nouvelle année, avec son repositionnement en pivot, à partir de là, enfin, je veux dire, il a roulé sur tout le monde et c'est amplement mérité. Mais c'est vrai que l'unanimité, 99 voix sur 99, c'est impressionnant. Je crois que c'est seulement le sixième hein, c'est ça. De l'histoire à accomplir ça. Donc, bravo, chapeau à lui. Et premier rookie of the year depuis un certain Tim Duncan hein, quand Antonio, on parle ouais. des Spurs. Donc, s'il suit le parcours de Tim, ça peut présager de belles choses. Avant de te lancer, Rudy, sur Wemby, on en a beaucoup parlé ici. On voit un petit peu le classement qui s'affiche. Donc, une première place devant Chet Holmgren et Brandon Miller, donc le joueur de Charlotte Hornets. Voilà, toutes les voix, vous voyez la colonne de gauche, toutes les voix pour Wemby, numéro 1. Donc, ça place aussi un petit peu la saison de Victor Wembanyama. On en a parlé, je le disais ensemble, Rudy, Wemby, Rookie of the Year, ok, on sait qu'il y a peut-être un DPOY, donc un Defensive Player of the Year, qui peut peut-être lui être aussi attribué. Quels sont maintenant les futurs défis, selon toi, de Wemby ? Oh, il y en reste encore pas mal, hein, déjà confirmé. Okay. Continuer à progresser, à prendre du poids, déjà personnellement, il faut qu'il, voilà, physiquement, il faut continuer à s'adapter à cette ligue, plus peut-être un peu mieux progresser aussi dans l'utilisation des espaces, son corps. Mais sinon, personnellement, je pense que c'est déjà peut-être All-Star. Il a été Rising Star cette année, donc peut-être All-Star l'année prochaine. En tout cas, je lui souhaite. Pourquoi pas Deep Boy ? Voilà. Mmh. Parce que cette année, je pense que ça va être un peu compliqué vu les résultats collectifs. Mais l'année prochaine, si en espérant avoir peut-être une quinzaine de victoires supplémentaires pour les Spurs, il peut de nouveau être dans la course. Et collectivement, bah, je viens de le dire, hein, c'est essayer de quand même engranger un peu plus de victoires que cette année pour les Spurs. Et pourquoi pas continuer cette progression voilà. À tous les niveaux. Quoi. Et dans l'immédiat, c'est se préparer correctement pour les JO.
Wemby, la hype Wemby a été suivie partout aux États-Unis et notamment par ce qu'on peut considérer comme ses adversaires, voire ses collègues. Et ils ont tous eu un mot justement pour ce titre de Rookie of the Year. On vous montre tout ça. Victor. Hey, Jason Kidd here. Wait, what? Vic, how you doing, man? This is Vince Carter here. What's up, hey, Victor? Victor. Yo, what's up, Wemby? Yo, what's up, Vic? That's crazy. Yo, Vic, what up? I don't know a lot of French, but I know how to say, c'est bon. Hey, that's so trippy. Are those recorded or? Hey, Victor. Yo, what's up, Vic? Yo, Vic, what up? Hey, Vic, Shaq here. Hey, Victor. Just wanted to say congratulations on a fantastic rookie season. Hell of a season. I'm very impressed at how you handled yourself this year. To watch you come in with all the hype and all the talk, you've lived up to it. High expectations, you've met all the expectations. Leading the league in block shots. Man, you have set the bar so high. You've represented the Spurs, you've represented yourself, you've represented France, everybody. Even before you get into the league, I got a chance to see the type of work that you put in and day out. Keep working, keep encouraging your teammates, the results will come. Stay hungry, man. The great ones, they stay hungry and they want more, they're never satisfied. Continue to work on your craft and be greater than you already are. We're looking forward to seeing what you're doing in the next 15 years, man. Keep balling, the future's so bright. I know, without a doubt, you're gonna have an unbelievable career, but I wish you let me get one of my middies off sooner or later over you, man. You will, when it's all said and done, be one of the greatest big men ever. Yo, what's up, Wemby? Just wanna say congratulations to you, man. Happy to have you part of this beautiful league, man. Keep doing you, keep getting better. Wanna say congratulations to you, man. Rookie of the Year. Welcome to that Rookie of the Year club. I'm proud of you. You deserve every bit of it. Great job. I couldn't be more proud of you, man. Well deserved. And this is just the beginning. Love, bro. That's crazy. Le rêve éveillé de Victor Wembanyama, l'émotion dans ses yeux et puis même dans sa gestuelle, hein, c'était perceptible. Petite précision, pardon Paul, sur cette vidéo. Je crois que c'est très rare hein, d'avoir quand même les anciens, quand même des légendes de la NBA comme ça, parler d'un jeune, quoi. Ouais, ouais, ça fout les poils, on peut le dire. La chair de poule, hein, même la Farage, il tremblait pendant la séquence, et je le comprends, hein, je partage son sentiment. Mais c'est vrai que c'est un de ses sponsors, hein, il faut quand même le souligner, Fanatics, là, qui est géré par Michael Rubin, hein, qui aime bien réunir les plus grands noms du sport, de la musique, etc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant qu'il soit adoubé de la sorte par tant de grands anciens. Enfin, genre, là, c'est, comme tu le disais, quoi, ça veut dire qu'il a vraiment marqué les esprits là-bas, quoi. Farage. Émotion ou pression quand même sur les épaules. On a entendu Shaq qui dit qu'il espère qu'il deviendra peut-être le meilleur big man de l'histoire de la NBA. Ouais. Pression, non, je pense pas. À cet âge-là, quand même, on mesure pas spécialement, même si là, on a vu, comme tu as dit, qu'il avait un petit peu d'émotion, qu'il a senti qu'il y avait beaucoup de grandes stars, de légendes même, de ce sport qui ont salué sa saison. Pression, je pense pas. Et puis, surtout, avec les qualités qu'il a... aidé par ses mensurations, mais ses qualités de basketteur font que tu peux pas avoir la pression. T'es fort, t'es doué, t'es pro, tu t'entraînes tous les jours, t'as une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de raison qu'il ait une pression outre... Ouais, okay. Pression exagérée. Je pense qu'il nous a montré jusqu'à maintenant que la pression a glissé ça a glissé sur lui. Ouais. Aussi, ouais. Bon. Je pense qu'il est armé pour ça, il est préparé pour ça, depuis tout petit, à la Mbappé dans le foot. Ouais. Ces mecs-là, ils ont leur chemin tout tracé, ils savent très bien où ils veulent aller, et ils savent très bien où ils veulent aller. Ouais. Et il réussit tout, finalement, parce que même, tu vois, son message de remerciement, il remercie tout le monde à San Antonio, ouais. Même les agents de sécurité, il n'a fait aucun impair pour l'instant, quoi. Tout est parfait. Tout est parfait, ouais. Sûr et en dehors et du... Et on l'a revu, si vous avez suivi l'actualité, j'en doute pas. Du côté des finales de Coupe de France aussi à Bercy, ouais. Il est retourné à Boulogne, à Nanterre. Donc voilà, il est aussi très présent dans la communauté française. On va le voir à Paris, on a cette chance avec les Jeux qui arrivent bientôt. On va finir sur Wemby, montrer quand même les stats de la saison de Wemby, hein, parce qu'elle était
terminé, hein, il n'est pas en play-off. Donc, stats de saison régulière. Pour un rookie, c'est plus de 20 points par match, vous voyez. Le pourcentage au tir, Rudy, c'est pas mal finalement. Pour terminer, quasiment 47%, 10 rebonds, 3 contre. 6, il a joué les trois quarts de la saison. 71, c'est, peut-être, hein, voilà, c'est peut-être ça la stat la plus importante, ouais. Là où certains disaient qu'il fallait peut-être le protéger ou que son corps ne tiendrait pas. Un dernier mot avec toi, peut-être, Rudy, sur Wemby. Est-ce qu'aujourd'hui, on est clairement avec la pépite du basket français ? La pépite du basket français, la pépite du basket... mondial. Mondial. C'est pour... Je pense qu'on va en parler pendant l'émission, mais il y en a un petit sujet là-dessus. Mais on sait qu'en NBA, voilà, c'est normal, hein, c'est comme dans tout sport, il y a des cycles. Et je pense que lui, c'est le prochain cycle. Voilà. Okay. Il y a eu Jordan, il y a eu Chamberlain, il y a eu Bird, etc. Il y a eu Jordan derrière. Là, on a eu LeBron. Et ben, je pense qu'on aura Wemby. D'une pépite à l'autre, hein, même si les perspectives ne sont pas les mêmes, on va se calmer. On voulait quand même parler, nous, d'un joueur hype en France, en train de faire monter justement toute sa cote et toute sa hype. C'est un certain Nolan Traoré, l'ancien pensionnaire de l'INSEP, meneur, gestionnaire et puis aussi très très scoreur, qui a transité en cours de saison du côté de Saint-Quentin, donc en Pro-B, Saint-Quentin en Pro-A, je vais y arriver. Donc il jump de deux divisions pour justement s'installer dans la rotation. Il y a eu quelques perfs intéressantes, là, je crois qu'il y a 10 points de moyenne, mais la dernière sortie, Farage, parce que tu as fait un papier sur lui, absolument, l'amène justement à scorer 25 points. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans ce contexte-là ? Absolument. Bah, Saint-Quentin, là, je n'ai pas le classement sous les yeux, mais je crois qu'ils occupent la 7e place de Betclic Elite. Ouais. Ouais. Et il a joué un rôle majeur dans ce match où il a explosé. Et un match de saison régulière de Saint-Quentin, personne ne va s'y intéresser. Mais alors, lui, il a affolé les compteurs. On ne s'y attendait pas. Et en plus de cela, en face, il y a un Américain, Mike Sell, qui lui aussi a franchi la barre des 20 points. Donc, c'est un match a priori anodin, qui a fait parler, et forcément, avec un garçon comme ça qu'on verra en play-off, parce qu'il ne reste qu'une seule journée de saison. 7e, 16 victoires, 17 défaites pour l'instant, donc voilà, pour être en play-off, il faut être dans les 8, ils sont 7e. Tu peux rappeler son âge ? Il a 17 ans. 17 ans, 1m92, 17 ans. Très jeune pépite, ouais. Espoir du basket français. On voulait en parler ensemble, ça fait sourire Farage. Ouais, non, ça me fait rire parce qu'il a que 17 ans. Quel avenir pour une pépite comme ça ? Est-ce qu'il faut se dire, on ne brûle pas les étapes, on le laisse grandir et on voit ce que ça donne sur une saison complète, justement, en Betclic Elite ? Voilà, ça, là j'y arrive. Ou est-ce qu'il faut peut-être déjà l'intégrer dans des rotations je vais dire une bêtise, hein, mais l'équipe de France et les Jeux qui arrivent rapidement. Dis-moi, Rudy. Je sais que t'es... Alors, moi, Nolan Traoré, je ne le connais pas plus que ça. On entend parler maintenant, plus régulièrement maintenant. Mais ce qui est bien, déjà, c'est un meneur. On est un peu en souci de meneur en équipe de France, donc tant mieux. Il est jeune. Ça veut encore confirmer qu'on a une formation extraordinaire. Voilà, on parlait de Wemby, mais il ne faut pas oublier Bilal, il ne faut pas oublier Alexandre Sarr. Olivier, Alexandre ? Alexandre Sarr qui va être drafté un ou deux dans quelques semaines. Et les Salins, et oui, y a du monde. Passe. Enfin voilà, donc non, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, le voir arriver en bleu tout de suite, je pense que c'est un peu trop tôt. Ma question elle est dirigée sur le poste 1, où on sent qu'il y a des places à prendre, même s'il y a encore beaucoup de monde qui fournissent. Ouais. On pense à Mathieu Strazel, Nadir Ifi, Sylvain Francisco, des joueurs qui sont très performants, mais est-ce que voilà, il rentre pas un peu dans une petite réflexion de l'installer pour les prochaines années, hein, pas pour tout de suite. Possible. Après, je sais pas, Paul peut-être peut en dire un peu plus, mais sérieusement, moi je pense qu'il faut mieux qu'il confirme déjà une saison à Betclic, okay, ou ailleurs, okay, dans un bon club, et après oui, l'intégrer petit à petit dans les phases qualificatives pour les championnats du monde ou l'Europe. Mmh. Enfin voilà, je pense qu'il y a du temps, il y a des plages. Ok, Paul. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu tôt, même si c'est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France à réussir à mettre 25 points. Oui, tout à fait. Plus fort que Wembanyama, plus fort que Rigaudo, bon, Tony Parker, Doumbouya, enfin c'est cool. Donc bon, c'est quand même pas mal. Après, effectivement, c'est un peu tôt, 17 ans tout de suite l'équipe de France, éventuellement dans un poste de 12e homme. Mais c'est vrai que ça lui rendrait service, mais est-ce que ça va maximiser ses qualités ? Est-ce que dans un contexte de JO, est-ce que c'est la bonne solution ?
je ne suis pas certain. Comme le dit Rudy, je pense que c'est bien qu'il fasse une saison pleine dans l'élite, quoi. Donc la saison prochaine, a priori, peut-être à Saint-Quentin ou ailleurs, mais c'est sûr qu'il est tout proche, quoi. Là c'est, il joue déjà au plus haut niveau, c'est impressionnant ce qu'il fait. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est la défense, c'est le secteur où il a encore à progresser. Mais offensivement, d'ailleurs, on l'a vu aussi au Hub Summit, là, c'était un des meilleurs joueurs face aux Américains. Il a impressionné les Américains, donc là-bas, il le guette. Et a priori, ça serait draft 2025, hein, comme il faudrait attendre l'année de ses... 2026 même, parce que l'année de ses 19 ans. 18 points face aux Américains dans le fin de match Hub Summit et 4 passes avec. Donc c'est très fort, et comme le dit encore Rudy, c'est vrai que d'avoir enfin un meneur aussi prometteur, enfin on se dit, mais... Où va s'arrêter l'équipe de France, quoi. L'avenir est à nous. Bon, déjà, l'équipe de France, au rendez-vous, c'est cet été avec ou sans Nolan Traoré. Les joueurs font tout pour être performants. On va continuer notre émission. Farage, ça te va ou pas? Ah oui, nickel. Ouais. Franchement, j'ai envie de rester avec vous. Reste avec nous, on va se lancer dans notre hype ou pas hype. Alors, petite chronique, Farage, pour justement se positionner sur ce qui nous hype ou ce qui nous hype un petit peu moins. Et on va aller sur la dimension play-off. Premier tour, équipe qualifiée, équipe éliminée. Donc forcément, il y a un top et un flop. C'est un peu le principe. On va faire un petit tour de table ensemble. On va commencer peut-être par les flops et puis ensuite, on essaiera de développer un petit peu ensemble. Rudy, on commence par toi. Hype, donc ton flop du premier tour des play-offs. Alors, j'ai mis les Bucks. J'ai mis les Bucks. Alors, paradoxalement, ils ont quand même fait une saison régulière assez correcte en termes de stats, puisqu'ils font 49 victoires quand même. Mais quand on voit l'état du jeu, l'équipe, comment ça a été, les changements de coach, l'entente interne, même jusqu'à la direction, voilà, on sent que ça a été hyper compliqué pour eux cette année. Le jeu, on n'en a pas vu. On attendait Lillard. Et Antetokounmpo, finalement, ça a été, ils sont passés un peu comme ça dans la saison. Ouais, on sent que ça n'a jamais vraiment fité entre les deux. Ça, ils n'ont jamais... Voilà. Donc, je suis déjà déçu sur ça, sur leur saison régulière. Ouais. Ils ont fini la saison régulière à 9 défaites sur leurs 15 derniers matchs. Donc, pour entamer des playoffs, c'est pas top. Et donc, quand on voit le résultat, 4-2 sur la série contre les Pacers, 6e de conf, donc... Enfin, il n'y a pas eu photo. En plus, moi, franchement, j'ai vu les Pacers. S'ils auraient gagné 4-1 ou 4-0, ça ne m'aurait pas choqué. Donc, très déçu pour cette équipe-là. L'avenir... On en parlera après. D'accord. Mais on aura une petite discussion sur la reconstruction de l'équipe. Voilà. Et les Bucks en font partie. C'est un déçu. Un échec. Okay. Pour moi, c'est un double échec même. Paul, ton flop. Écoutez, mon flop, c'est les 76ers de Philadelphie. Okay. Je veux dire, on va pas s'acharner sur Joel Embiid parce qu'il est revenu tardivement de blessure. Hein. Oui. On sentait qu'il était pas à fond. Il a joué blessé. Clairement, il a joué blessé. Tobias Harris, extrêmement décevant. Tobias. Okay. Harris. Ah, oui. Voilà, LeBron. Tobias. Et donc, Batum, lui, par contre, on a envie de le voir encore, quoi. Enfin, on se dit que c'est pas possible. La question, c'est est-ce qu'effectivement, il n'aurait pas joué son dernier match, là? Je pense pas. Enfin, vu le niveau qu'il affiche actuellement, je trouve que ça serait dommage qu'il arrête maintenant. Okay. Ça, c'est une petite parenthèse. Okay. Tyrese Maxey, qui fait une énorme saison. On attendait peut-être un peu plus en play-off, même s'il n'a pas eu beaucoup de coups de sifflet, notamment face à New York. Hein, que, décidément, ça arrive régulièrement avec cette équipe. Décevant. Donc Harden qui a été envoyé aux Clippers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, quoi? Donc ça, c'est aussi une autre rubrique. Oui, tout à fait. Parce que j'ai pas mal de billes. On patientera un petit peu pour vous écouter, monsieur Roger. Votre flop, monsieur. Alors, avant mon flop, je voulais juste parler de Maxey. Je trouve que t'es un peu sévère. Parce que Maxey, je l'ai trouvé, il les a sauvés. Il leur a ramené un match supplémentaire. Normalement, ils auraient dû passer à la trappe un match plus tôt. C'est vrai. Ouais, il leur a permis aussi d'espérer longtemps dans la série. Enfin, donc Maxey, c'est pas celui qui est plus à mettre. Il n'y a rien à leur reprocher, mais on attendait peut-être qu'il franchisse encore un palier, peut-être. Bah, Je pense que le prochain palier, Paul, c'est mettre 70 points par match. Je trouve que t'es dur et que t'es pas très pertinent sur ton choix. C'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il est fou. Quelle entrée de Farage. Quelle entrée. On l'attendait.
Une entrée fracassante. Non, c'est mon point de vue. Je déconne, Paul. Et mon flop, alors, c'était les Lakers. Ah bah tiens, en plus, je te défie encore. Tu vas pouvoir répondre. Non, bah les Lakers, bon, ils perdent contre le champion titre, contre Denver. Ils ont l'habitude. Sweepé l'an dernier, en finale de conf, on peut le dire. Ils perdent 4-1 cette année au premier tour. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart entre les deux formations. Et franchement, pour moi, ça sonne. On se posait la question l'année dernière. Pour moi, c'est vraiment la fin de règne de LeBron James. Ok. Bon, LeBron James qui, sur les 5 séries play-off, on a gagné deux fois seulement. Donc, il est déjà, depuis 5 ans, déjà un peu sur le déclin. Ouais, un peu sur le déclin. Après, autour de lui, je trouve qu'autour de lui, la qualité de l'effectif est bonne, mais pas suffisamment bonne pour, aller ne serait-ce qu'un stade plus haut. Voilà. Après, ça manque, après, ça manque de taille. Et après, tu dis que l'écart était finalement minime. Hein, parce que tu regardes l'écart sur chaque match. Chaque match se joue à rien, comme en finale de conférence l'an dernier. Enfin, tu l'avais noté, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais tu veux te venger par rapport à ce que Absolument j'ai dit. Absolument pas. Non, mais quand je parle de l'écart... Il n'y a rien de personnel, hein, vous inquiétez je pas. Je sais bien. Non, quand je parle de l'écart, c'est surtout qu'ils ont pris un 4-1. S'ils avaient pris, comme l'a dit tout à l'heure pour les Bucks, Rudy, s'ils avaient pris 4-0, et d'ailleurs, c'est ce qu'on craignait. Comme l'an dernier. Ouais. Après, n'oublions pas le storytelling des défaites. Il y a quand même deux buzzer beaters de Jamal Murray. Sur une jambe. Voilà. Il y a des matchs quand même qui tiennent à l'extérieur. Ils sont pas loin de les prendre. Ouais. Donc, il y a des problèmes de coaching. C'est une fin de saison frustrante quand même. Clairement, il y a des problèmes de coaching. Hein. Enfin, t'allais en parler, j'imagine, de Darvin Ham. On va écouter surtout Rudy qui a l'air de vouloir. Ouais, moi, je suis désolé, hein, mais pour les Lakers, je vous trouve ultra sympa de uniquement vous arrêter au play-off. Bon, il faut rappeler que c'est une équipe qui a été en finale de conférence l'année dernière. Au moment des trades, on était là en train de dire waouh, super les trades, super équipe, les Prince, les Vanderbilt, les Gabe Vincent, etc. J'en passe. C'est bon, c'est une équipe qui peut au moins être dans les 4 premiers. Ils ont fait encore un play-in de justesse. Ils sont passés en play-off et ils se prennent encore à 4-1 où on est en train de dire qu'un sweep n'aurait pas fait... Scandale. Donc, je vous trouve hyper sympa avec cette équipe. Alors, peut-être c'est parce que tu veux être sympa avec ton pote Paul, mais moi, les Lakers, je ne les ai pas mis parce que je ne voulais pas encore créer un truc. Ouais, LeBron, Rudy, tu vois. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aux États-Unis. Hein, pour moi, je suis désolé, mais les Lakers, à l'image des Bucks, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est un échec encore monumental. Parce que finalement, il n'y a pas que LeBron dans cette équipe qui justifie son rang. Non, Davis fait une de ses meilleures saisons sous le maillot des Lakers. Et puis surtout, les deux pas beaucoup blessés. Et j'ai envie de revenir sur Darvin Ham, parce que tu dis cette saison régulière qu'ils ont un peu pris par-dessus la jambe. Parce qu'il a fini par mettre son équipe type en février. Il a perdu beaucoup trop de temps. Et puis sa gestion des temps de jeu. Austin Reeves, c'est clairement le troisième meilleur joueur de cette équipe. Il est devant D'Angelo. Et c'est pas possible qu'il joue 30 ou 34 minutes sur les derniers matchs de play-off. Tu peux pas te permettre de faire jouer si peu ton troisième meilleur joueur. Ouais, ils ont pas gagné le saison une tournament. Bien sûr, très beau trophée. À cette époque, on entendait oui, c'est une première étape dans notre saison. On l'a pas dit ici. Non. Les Lakers, c'est le Brown. Nous, on l'a pas dit. C'est une première étape. C'est juste une cerise sur le gâteau. Un dernier flop. Vous voulez l'entendre, peut-être le mien. Oui. Les Suns de Phoenix. Il t'intéresse pas, tu ne vas pas écouter. D'ailleurs, tu sors. Regarde, la sortie est juste là. Tu vois, les Suns sont impertinent, cet homme. Les Suns sont au flop de ce premier tour des playoffs et globalement de la saison. Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker ont très peu joué ensemble. Et puis, on a une équipe qui a mal été construite pour moi. Il n'y a pas d'axe 1-5 très fort, il n'y a pas de meneur. Et à ce niveau-là, quand tu arrives en play-off et qu'il faut organiser l'attaque parce que les tempos sont ralentis et qu'il faut trouver les solutions sur des plays offensifs que tu maîtrises, si tu ne les as pas... je vais faire très court. Hein. je vais faire très court, mais si tu ne les as pas expérimentés en saison régulière, ça te pose problème. Et cette équipe a tapé dans le mur parce qu'elle est mal structurée pour moi. Voilà pourquoi c'est mon flop de ce premier tour. On continue avec les tops. Ouais, juste pour préciser que là-dessus, sur les Suns, ça montre clairement que les super teams, c'est plus viable. Parce que là, en fait, Grayson Allen se blesse et ils n'ont plus personne, en fait. Tu vois, donc Nurkic qui ne jouait même pas 25 minutes par match. Clairement, tu ne peux plus faire une équipe avec 3 joueurs à salaire max. Parce que sinon, tu n'as pas de profondeur et ça ne tient pas la route. On voit avec les Clippers aussi, on aurait pu les enfoncer. Hein, j'étais prêt à le faire. Mais... C'est vrai, les Clippers, ce n'est pas fameux non plus. On va passer au top parce qu'on a... On a le temps qui tourne. Rudy, tiens, je te fais une passe d'ess. Oh, waouh!
Top, les Mavs. Les Mavs, pourquoi les Mavs ils ont fait quand même, ils ont fini cinquième de la Ligue de Conférence Ouest, mais je trouve qu'en début de saison, on ne les mettait pas aussi haut, suite à la déception de leur saison précédente. Donc, on avait beaucoup d'interrogations sur l'implication de Doncic à fédérer un peu cette équipe, à les emmener un peu comme Anthony Edwards qui fait avec Minnesota. Bah, Doncic, voilà, se concentrer sur le jeu et pas sur les arbitres. Kyrie Irving a trouvé sa place aussi. Les ballons, est-ce qu'il allait avoir des ballons? Parce que Doncic mangeait pas mal aussi, gardait beaucoup la balle. Donc, super surprise à ce niveau-là. Et on peut voir aussi au niveau des playoffs, bah, ça a continué à progresser toute la saison. Et là, sur les playoffs, les Clippers, voilà, ça n'a pas trop existé. Quel est le meilleur joueur de ce premier tour, quand on parle des Dallas Mavericks? Irving, pour moi. Irving? Pour moi, c'est lui qui a... Il a laissé le jeu en première mi-temps. À chaque fois, il laisse ses équipiers rentrer dans le match. Et dès qu'il sent que le jeu a besoin... Il a besoin de prendre le lead, il le prend. Et bien justement, est-ce que ce n'est pas lui le leader un peu charismatique de cette aventure, en tout cas premier tour des playoffs, je parle. Bah pour moi, oui. Ouais, okay. Ouais. J'ai noté sur ma petite feuille, j'ai mis un Kyrie au niveau de l'époque des Cavs, quand ils ont été champions avec les... Voilà. Le truc, c'est que ce n'est pas une feuille, c'est un téléphone portable. Ah, sur mes notes. Ah, okay. J'ai dit sur mes notes. Non, t'as dit sur mes feuilles. Ah, pardon. Et si je ne m'abuse, ma stat, elle n'est peut-être pas exacte à 100%, mais ouais. Je crois que c'est le dernier match où il ne met que 2 points en première mi-temps. Oui. Et après il se réveille. À 30, ouais, il fait 30, un match extraordinaire. Donc c'est pour ça que je te rejoins sur. Et à mettre des paniers clutch. Et quel régal, avoir joué. Enfin, c'est le meilleur manieur de ballon de l'histoire. Quoi. Enfin, il fait des trucs. Folie. 20 points de moyenne en deuxième mi-temps, Kyrie Irving, sur le premier tour. Il est 20 points de moyenne en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est incroyable. On en reparle plus tard. Non, pas des Mavs. On ne reparle pas des Mavs plus tard. Je peux en parler si on a un peu le temps. Rapide pour dire aussi que, tu vois, contrairement à certains qui ont fait des trades, qui étaient un peu bancales, etc., bah là, B.J. Washington, ça confirme qu'à Ford, on sent qu'ils ont fait ces deux trades-là, ont permis à cette équipe de repasser encore un palier. Franchement, eux, aujourd'hui, ou jamais j'aurais pensé, je suis capable de presque les voir aller jusqu'en finale NBA. Franchement, ça m'étonnerait. Ils vont battre les Clippers, moi, je pense. On va suivre ça de près. On avance sur les tops, messieurs. Allez, Paul, ton top. Évidemment. Les loups, les Wolves. Les loups. Impressionnant. Anthony Edwards et Rudy Gobert. Jeune papa, d'ailleurs. Mais je crois que tu le maîtrises mieux que moi. non, c'est Rudy. En fin d'émission, peut-être. C'est le taureau, moi. non, mais les Wolves, même sans Gobert hier soir, ils sont à 6 matchs, 6 victoires, la meilleure défense de la Ligue. Et quand on voit comment ils ont fait suffoquer Jamal Murray, notamment, c'était McDaniel, c'est Nickel Alexander Walker, encore une excellente recrue, comme Mike Conley qui devait aller aux Lakers, mais tout les fait. Lakers ont préféré D'Angelo. Donc, grosse erreur. Mais, des erreurs, dis donc. C'est pas le sujet. Mais... Et puis l'an dernier, il faut se souvenir qu'on leur riait au nez. On disait que le transfert de Gobert, c'était le pire de l'histoire de la NBA, voire le pire de l'histoire du basket. Oui. Et maintenant, c'est une vraie équipe. On voit là, hier soir, il est remplacé par Kyle Anderson. Absent pour des raisons personnelles. Et justement, voilà, félicitations à lui. Ce qui devient pour la première fois papa, Rudy Gobert. Absolument. Voilà. Et donc vraiment très impressionnant. Et évidemment, comment ne pas mentionner The Ant-Man, Anthony Edwards. On le fera un petit peu plus tard dans l'émission. L'héritier d'un certain Michael, on va le dire. Ton top, Farage? Eh bien, je vais vous surprendre. Ce n'est pas OKC, mais les Celtics. D'accord. Les Celtics, plutôt parce que justement, bon, c'était attendu, mais justement, ils ont assumé leur statut. On sent que c'est la force tranquille et que vraiment, il y a une osmose et que les Jason Tatum, les Jaylen Brown, ils sont au niveau, que la machine marche bien. C'est pas spécialement l'équipe que j'apprécie le plus. Ça, c'est après. Non, plus. Oui, après, ça ne regarde que moi. Mais moi aussi. Mais objectivement. Ils sont au rendez-vous, quoi. Ouais, objectivement, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est l'équipe que je vois aller au bout. Attention, Porzingis blessé. Ouais. Ça peut-être changer la donne. J'ai un peu de mal sur l'identité de cette équipe où j'ai du mal à savoir qui lead vraiment et s'ils sont vraiment à fond. Je les trouve un peu nonchalants, mais bon. Voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir monter leur niveau. Ouais, pour ça, je trouve pas ça très. La question du lead, pour moi, c'est Jason Tatum. Pour moi, la question ne se pose pas. Après, moi, je ne la vois pas forcément.
Ah bon, c'est un statut qu'on lui confère, mais je regarde les matchs et je ne vois pas forcément toujours le même leader prendre ses responsabilités à des moments importants. D'accord. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont, ils sont riches aussi. Hein. On parle d'une équipe ultra favorite depuis le début de saison, qui, voilà, en toute logique, normalement, doit être champion. Perd un match quand même contre Miami, qui a 100 Butler. Non, de là à dire que c'est un top, non, je dirais que c'est tout à fait logique, c'est normal qu'ils soient là, ils sont à leur place, c'est normal. Pour l'instant, ils n'ont pas forcé, donc on ne peut pas dire qu'ils sont extraordinaires. Non, moi, franchement, t'es un peu traître, je trouve. OK, ici, qui fait une super saison, que jamais on aurait cru qu'ils allaient finir premier de la conférence, ils te font un sweep. T'es là, oh non, pas OK, si. Excellente imitation. Bref. C'est vrai. Non, mais franchement, ça se voit que tu joues au rugby et pas au basket. Bon, mon temps pour rapide, c'est les Knicks de New York. J'aime beaucoup ce que fait Jalen Brunson, qui porte cette équipe. Et cette équipe est vraiment une équipe de conquérants. Pas forcément de très forts basketteurs. Mais voilà. Ils ont les meilleurs Big Three actuels de Villanova. Hein. C'est vrai. Josh Hart, DiVincenzo et Brunson. Exactement. Mais j'ai peur que Thibodeau les essore un peu trop, hein, parce qu'ils sont à 48, notamment Josh Hart, hein, c'est 48 minutes. 48 hier minutes. Soir. Combien de temps ça va tenir ? Là, c'est money time. Hein. Là, c'est les moments les plus importants de la saison. Même les joueurs ont envie de jouer, donc je pense que ça ne va pas trop leur poser de problème. On avance, messieurs ? On va débattre ensemble dans l'émission Hype. Je suis un fan de Westbrook. Pardon. T'es un fan de Westbrook ? Ouais, plus de Westbrook que Casey. D'accord. Ouais, je suis un mini traître, je suis pas un vrai traître. Bon, allez, on enchaîne avec le mini traître du coup. Oh yeah. KD, LeBron et Steph Curry ne sont plus en playoff. Enfin, Steph n'a même pas fait les playoffs, d'ailleurs, on en a parlé dans Hype il y a quelques temps. Est-ce la fin d'une ère, messieurs ? Parce que je crois que depuis 2006, les trois étaient apparus. En play-off à chaque saison. Bon, LeBron ayant commencé il y a 21 saisons, ça aide. Mais là, on n'a plus dans le paysage un Steph Curry, ni un KD, ni un LeBron James. Question simple, hein. Est-ce que c'est circonstanciel ou est-ce qu'on peut marquer de cet événement la fin d'une ère, hein, Rudy ? Je pense qu'on peut se poser la question, oui. Okay. On l'a dit, ils sont vieillissants. Hein. 39 pour LeBron, 36 pour 36 Steph, pour, et bientôt 36 pour KD. 36 pour KD. Donc voilà, normal. Je pense que quand on voit l'émergence de joueurs comme Shea, comme Ant-Man, comme Doncic. Doncic, on le voit arriver depuis quelques temps, mais voilà, des joueurs qui vont continuer à confirmer quand Antetokounmpo et Wemby, des petits jeunes, Wemby, Holmgren, etc. Enfin, je pense que aujourd'hui, pour que ces joueurs-là puissent encore espérer gagner une bague, il va falloir qu'ils passent sur ces joueurs-là qui ont une vivacité, une énergie folle, et physiquement, techniquement, ils sont extraordinaires. Moi, pour moi, ouais, c'est la fin. C'est la fin d'une ère. Ouais. Ok, Paul, fin d'une ère ? Bah, je suis pas loin de le penser. Ou est-ce qu'on les enterre un peu trop vite ? Non, faut pas les enterrer, parce que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est des constructions d'équipes qui font ça. Enfin, on voit bien que les Big Three, c'est fini. Bon, les Lakers, c'est pas vraiment de Big Three, hein, c'est plus du Big Two, mais il faut des jeunes. Il faut pas que des jeunes, mais il faut des jeunes et surtout des grands. Ce qui manquait aux Lakers, ce qui manquait aussi aux Warriors. Et puis, comme on l'a dit, les Suns, enfin, un effectif... Mal construit, trop limité. Donc, je pense que c'est très circonstanciel, mais ça, enfin voilà, Father Time is undefeated. C'est là, voilà. Donc à un moment, on a repoussé les limites LV1, à chaque fois. Plus. Oui, c'est très bilingue là. Ok. Ici. Mais après, c'était français LV1, pardon. Excusez-moi. Voilà. Oui. Et encore une fois, c'est pas terminé. Voilà. Okay. Le cœur d'un champion ne meurt jamais. Dans des bonnes circonstances, une bonne construction d'équipe. Je pense que l'un des trois peut encore gagner. Justement, on va en parler de la construction. Bon, on va faire un peu de temps là-dessus, Farage. On les enterre ou est-ce qu'ils sont encore là? Alors, on les enterre, sauf, à mon sens, sauf peut-être Steph Curry. Pourquoi? Parce que, KD, lui, souvent, il a l'infirmerie. LeBron James, il l'a été un peu moins, mais souvent, il était sur les rapports, sur les listes des joueurs incertains avant les matchs. Questionable avant chaque match. Exactement. Steph Curry, un peu moins. Steph Curry, après, avec Klay Thompson et Draymond Green, il fait partie du trio que Steve Kerr veut garder coûte que coûte jusqu'à la fin de leur règne doré. Donc, j'ai envie de dire peut-être Steph Curry, mais il est tributaire un petit peu du rendement de ses deux acolytes. Et
Et du roster élargi. Et du, exactement, et du roster. Alors on y va sur les, puisqu'on est à peu près tous d'accord, ils sont encore là et bien là, de toute façon, ils vont pas laisser leur place. La construction de ces, enfin la reconstruction de ces équipes, peut-être, on en a cité quatre, je voudrais qu'on parle de quatre. Les Bucks, les Warriors, les Suns et les Lakers. Ça passe par quoi justement? Est-ce qu'il faut enlever de la pression et de la responsabilité aux leaders que l'on connaît pour homogénéiser un peu plus les effectifs? Ou si alors ouais, vas-y. En parlant des Lakers, allez, vas-y. Que je connais le mieux, comme les Sixers d'ailleurs, ils cherchent une troisième star. Là, les Sixers, par exemple, ils veulent, on entend Paul George, Ingram, voire Butler. Et donc ils veulent un Big Three. Voilà, et pour moi, c'est pas la solution. Il vaut mieux, regarder quand tu vois, par exemple, là, Naz Reid, qui est meilleur sixième homme de la saison, il était free agent l'été dernier. Les Lakers, on en avait parlé, la rumeur, j'ai essayé de l'avoir, mais c'est typiquement ce genre de joueur-là qu'il faut. Je veux dire, il faut plus de corps, de bodies, et de grands, et de mobiles. Je veux dire, c'est le soleil qui lance l'anglais comme ça ou pas? Ouais. Okay. Mais voilà, il faut surtout des joueurs qui sachent attaquer et défendre, ce qui n'est pas toujours si évident que ça. Quoi. Des 3&D. À moindre coût, puisque tu as des stars, ouais, qui prennent beaucoup dans la masse salariale. Il faut mieux équilibrer les équipes. C'est un peu le problème. C'est parce qu'on parle de joueurs vieillissants qui coûtent très cher et qui aujourd'hui sont presque, enfin, sont difficilement tradables. On parle du cas LeBron, par exemple. LeBron qui réclame en plus player option à 50 millions, là. Voilà. Soit il l'active, soit il teste le marché. Voilà, et il réclame un contrat à hauteur de 60 millions par saison pour un minimum de 2 ou 3 saisons en signature. Donc c'est compliqué pour une franchise. En plus, il va peut-être imposer la venue de son fils Bruni. Ou Brownie. T'as du mal avec les James, ouais, entre LeBron et Brownie. Non, mais j'ai vraiment du mal. En fait, t'es James, ouais. Non, je le dis. Brownie. C'est quoi, Brownie. Dans Brownie. DBZ. En fait, c'est dans DBZ, Dragon Ball Z, c'est ça, Brownie. Ah oui, Brownie, oui. C'est Broly d'ailleurs en plus. Broly. Non, c'est Broly. Ah non, c'est Broly. Bon, peut-être. Broly, cheveux jaune-vert, là. Et pas Broly. Costaud comme ça, là. Costaud, voilà, Broly. D'accord. Ah oui. Bon, c'est pour ça que je m'en souviens à peine. Dragon Ball Z, non. J'ai des gros problèmes avec les prénoms. Je pensais pas. Il se dit. Où je suis tombé. Là, je suis perdu. Allez, Rudy, faut conclure. Ouais, non, mais je disais. T'aimes pas LeBron, en fait, quoi. Qui veut. Non, c'est que déjà pour lui, ça va être. Voilà, si en plus la franchise doit récupérer en plus son fils, ça va être compliqué. Ouais. Ensuite, pour les autres franchises, on voit que les Booker, par exemple, aux Suns, Booker, KD et Bill sont à 50 millions par saison sur les deux prochaines saisons aussi. Eux, les trader, c'est quasi pareil. Mmh. On parlait des Bucks. Les Bucks sont. Ils sont tous sous contrat, les Middleton, les Antetokounmpo, les Lopez sont encore tous sous contrat, les Lillard sur encore une bonne saison, donc eux peut-être qu'ils vont repartir. Après, il y a des contrats qu'on peut échanger, hein. Le principe de la NBA, c'est qu'on peut échanger des joueurs. Bien sûr, mais eux déjà encore, ils sont plus. Ça va. Moi, c'est les Warriors qui, pour moi, aujourd'hui, les Warriors et les Lakers qui, pour moi, me posent le plus de questions parce que. Voilà, on a parlé de LeBron, mais en plus, ils ont tout le roster qui est en free agent. Et côté Warriors, eux, c'est surtout la question clé. Qu'est-ce qu'on fait avec les trois? Qui on met derrière? Est-ce qu'on repart pour 2 ou 3 saisons avec cette et finir, justement? On peut poser la question à Farage sur les Warriors. On en a parlé, nous, un petit peu ensemble, mais t'étais pas là. Klay Thompson arrive en fin de contrat. Steph Curry a 2 ans. Et je crois que Draymond Green aussi a 2 ans. Et fracas de Draymond Green, t'as pu suivre aussi un petit peu en saison, il fait beaucoup parler de lui. Est-ce que c'est cette équipe pour toi qui a le plus besoin d'être reconstruite? Le plus besoin d'être reconstruite, pas spécialement, ouais. mais par contre, ils n'ont pas le droit de se louper. Ils n'ont pas le droit de se louper et, au vu de leur expérience, au vu de leur âge. Et j'ai envie de te. Ce qui est problématique à cet âge-là, c'est que ces joueurs-là, en plus, avec le passé qu'ils ont eu, avec le palmarès qu'ils ont eu, c'est que c'est très compliqué de leur dire bah, « Aujourd'hui, on va ramener quelqu'un, bah, ça va être lui le meneur, ça va être lui le franchise. » J'arrive pas, je ne suis pas aussi fluent que toi en anglais. Ça va être lui le… Bonjour Bruni. Ça va être lui le franchise player. C'est compliqué. C'est compliqué à digérer. Hein. Des joueurs comme ça, ils accepteront jamais. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un baroudonneur, une dernière saison de dingue. Oh, ça sent compliqué. Ça semble compliqué, c'est vrai, mais si Draymond Green se met à jouer au basket plutôt que de se chamailler, déjà, on peut peut-être l'envisager. Mais c'est pas gagné, je suis d'accord avec toi. On parle de fin d'une ère. Et oui, là, on vient d'exposer un peu les 4 équipes, leurs difficultés qu'ils ont, ouais, à faire éventuellement un trade pour améliorer les forces en présence.
je pense que c'est fini. Pour les 2-3 prochaines saisons, construire une équipe là pour ces 4... C'est quasi impossible. Avec la concurrence, on en a parlé, les jeunes qui arrivent qui frappent à la porte de plus en plus tôt et fort. Bon, on va suivre un peu. De toute façon, l'intersaison, ça n'a pas encore commencé. On est en play-off. La Free Agency, je crois que ça commence 2-3 juillet, quelque chose comme ça. Il y a la draft avant, donc les effectifs vont beaucoup changer. Il y a pas mal de coachs aussi, à mon avis, qui vont peut-être aussi changer de maison. On va suivre ça dans Hype. On va s'arrêter, nous, du côté de New York et aller faire un tour. Discuter avec notre gars Emric. Bon, on l'appelle notre gars Emric, hein, parce qu'on se connaît bien. Emric Parker, ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu dans Hype. Et il trône toujours du côté de New York pour nous sortir les reportages les plus intéressants. Et il était du côté des universités, non, des high schools même, new-yorkaises, puisque dans les championnats, on va dire, départementaux, régionaux et même municipaux, hein, New York... Les quartiers de New York peuvent s'affronter. Donc là, c'était New York contre New York en finale, on va dire, de high school new-yorkais. Emric nous amène dans cette ambiance-là et puis on en parle ensemble. Bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui, le meilleur des lycées s'affronte sur le campus de Fordham University où je me trouve actuellement dans le Bronx. Et les meilleurs lycées catholiques de la ville, qui regorgent des plus gros prospects de l'État de New York, vont s'affronter dans une finale très New York contre New York. Stepinac contre Nazareth, c'est maintenant dans la chronique fraîche. When it comes to the boom back, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom back, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. On est sur un campus jésuite fondé il y a 150 ans. Ça ressemble un petit peu à Duke University en Caroline du Nord, en plein cœur du Bronx. Alors aujourd'hui, on est sur une après-midi de dimanche d'hiver, donc c'est un petit peu morne. Mais à l'intérieur de cette petite abbaye, vous avez une salle de basket et je peux vous dire que ça va être bouillant. Boogie Flynn, tu le connais pas encore, tu l'as entendu pour la première fois sur Hype. 17 ans, star de New York, a gagné déjà la finale des lycées l'année dernière et va tenter le back-to-back. Il vient déjà d'être recruté il y a plusieurs mois par l'université de Kentucky. Et un jour peut-être one and done, peut-être un peu plus, il sera sur les parquets NBA, je te le garantis. Un meneur assez crafty, comme on dit ici, avec vraiment beaucoup, beaucoup de skills et qui définit vraiment le jeu new-yorkais. J'espère que cette incursion au cœur des lycées new-yorkais t'aura plu. Boogie Flynn vient de gagner son back-to-back avec Archbishop Stepinac. C'était New York contre New York. Bientôt, il va rejoindre les rangs de Kentucky, la grosse écurie en D1 basketball ici aux États-Unis. Dans tous les cas, je te dis à bientôt sur Hype. C'est ici, c'est toujours frais. On est sur la chronique fraîche en direct de New York. À bientôt. My opinion's a fact when I prove that.
Il est chaud. La formation à la new-yorkaise, hein, c'est assez rare d'avoir ce type d'image un petit peu en inside. On remercie Emric Parker, hein, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, notamment sur Instagram, compte @fraîcheur. Vous y allez, il y a plein de vidéos de ce type-là, immersion du côté de New York. On parlait de formation à l'américaine, la formation de notre ami Farage. Ça me fait plaisir que tu me fasses une passe. J'avais une carrière, je devais jouer, moi je suis plus basket turc. D'accord. Et je me suis fait les ligaments croisés. Donc malheureusement, j'ai pas pu. C'est D'accord. pour ça que j'ai joué au rugby. Au Mexique, non? Aussi. Ok. Ça marche. Bon. Farage était un peu partout dans le monde, exposé ses talents, notamment au rugby. Hein. On ne blague pas. Hein. C'est vrai. C'est un international au rugby. On continue, oui. Messieurs. On va s'arrêter sur Ant-Man. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va faire plus long avec lui dans le Focus Hype de la semaine. – 22 ans, l'arrière de Minnesota, Timberwolves, qu'on voyait un petit peu monter les saisons précédentes, mais là, qui clairement prend le leadership de son équipe, prend tout le monde sur son dos et les emmène le plus loin possible. Regardez les matchs, hein, d'Anthony Edwards, c'est pas du temps de perdu. Non. Faisons un petit peu de temps sur sa hype autour justement de ses performances sur le terrain, son côté leadership. Certains le comparent même dans le mimétisme à certains Kobe Bryant et… Sa Majesté Michael Jordan, a raison ou pas, posons-nous ces questions-là ensemble. Déjà, sur ce que vous avez pu voir récemment, les dernières sorties en play-off, Paul, qu'est-ce que tu vois d'Ant-Man que tu ne voyais pas les saisons précédentes? Il a encore franchi un palier, il est encore plus intense des deux côtés du terrain. Défensivement, c'est devenu une bête, hein, et puis on le voit là encore hier soir, hein, face aux Nuggets, très impressionnant. Et puis offensivement, enfin, je dirais, il sait tout faire, quoi. Quand il cross Reggie Jackson, qui le monte, il est provocateur, il est souriant, enfin, il vit vraiment le truc, il vit les matchs, il partage sa passion. Enfin, c'est juste pour la NBA, enfin, je veux dire, c'est le joueur rêvé. Quoi. Le visage de la NBA, futur visage de la NBA, on dit. C'est en train de le devenir, là. Ouais. Mais bon. Il n'a que 22 ans. Et oui, 23 en août, je crois. Pardon. il est prêt. Ouais. Pour l'instant, là, on peut regarder les stats. Hein. Tu parles de progression. Oui, après, si, là, on regarde ses stats. On voit ses stats, là, c'est sur les playoffs. Hein. Playoffs, ouais. Premier tour. Voilà. Mais si on regarde sur sa saison régulière. Restons sur les playoffs, parce que c'est vraiment là où ça. Ça fait déjà quelques temps qu'on en parle d'Anthony Edwards. Ouais. Déjà l'année dernière, on disait que c'était déjà un joueur d'avenir. Enfin, c'était un joueur qui commençait déjà à marquer déjà la NBA de son empreinte. Par contre. Il avait un problème de lead, parce que dans ta présentation, tu l'as bien dit. C'est ça qui fait la différence par rapport à la saison dernière, c'est qu'il est sur les mêmes stats, il garde cette intensité de jeu, cette technique aussi. Par contre, il le fait à des moments clés dans le match où tu sens qu'il est là pour emmener son équipe, un peu comme le Kyrie Irving à Dallas ou Doncic. Là, c'est sur des moments clés. Tu penses qu'il trouve mieux ces moments, quoi. Exactement. Chacun a trouvé son rôle par rapport à l'année dernière, les 4, les Rudy et donc lui. Et c'est ça qui fait que maintenant, on voit que c'est vraiment son équipe. L'année dernière, on pouvait se poser la question. Là, c'est son équipe. Et c'est pour ça qu'on le met vraiment en avant par rapport à la saison dernière, même sur des mêmes niveaux de stats. C'est parce que là, maintenant, c'est lui qui donne le lead. C'est lui qui donne l'impulsion. Alors qu'avant, il jouait comme tous. Ce qui est très intéressant dans cette ligue où les stats sont constamment valorisés, ce que tu dis est important, c'est qu'il a à peu près le même volume, mais pour le coup, il utilise mieux ses munitions. Voilà. Peut-être que son coach aussi, Chris Finch, l'aide aussi à s'épanouir. Et puis ses coéquipiers, hein, c'est ça, l'entente. Positionne un peu. Il a vraiment, il est complètement mature maintenant. C'est déjà sa quatrième saison NBA. Hein, c'est vrai, 22 ans. Ouais, pour Ant-Man, la saison un petit peu d'Anthony Edwards, avec toi. Ah, c'est un monstre. Ouais. Non, mais ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup les joueurs, moi, qui apportent une énergie. Oui. Et lui, c'est vraiment... Il y a des leaders techniques et il y a des leaders par le comportement. Et lui, en fait, il fait un petit peu les deux. Mais ce côté vraiment... je vous emmène avec moi, les gars, je vous montre l'exemple. Et c'est un meneur par le comportement. Avec le sourire, hein, il a une bonne gueule. Il charrie beaucoup l'adversaire aussi. Ouais. Aussi, bon, ça, c'est, quand je le vois faire ça, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien ce côté spectaculaire, ce côté trash talk. Mais il me fait souvent dire, et c'est rare que je dise ça d'un joueur, lui, j'ai pas envie de l'avoir en face de moi. Ok. Donc il dégage vraiment cette impression de présence, quoi. S'il est en face de moi, je sais pas comment je vais gérer. Par exemple, s'il me parle mal, s'il me provoque, s'il fait...
comment gérer. C'est pas son style. Pas le plaquer, par contre. Hein. C'est pas son style. Non, mais au contraire, c'est un joueur qui prend du plaisir et transmet du plaisir à travers son jeu. C'est pas quelqu'un qui va trash-talker, il va gonfler un peu les comme tout le monde, oui. Mais il trash-talk pas. Il charrie avec le sourire. Il charrie avec le sourire, voilà, il est toujours dans le jeu, et en fait il charrie avec le jeu. J'ai voulu faire l'américain, j'ai dit trash-talking, mais c'est vrai qu'il joue, en fait c'est le body language. Hmm. Après il se laisse pas marcher dessus, on s'en souvient de son échange avec Draymond Green. C'est son body language en fait qui parfois pour l'adversaire... Langage corporel, ouais. Lui, finalement. C'est vrai. Alors sur les comparaisons, puisque beaucoup de comparaisons sortent dans les médias, les anciens joueurs NBA, Charles Barkley, Shaquille O'Neal n'hésitent même pas à mentionner le nom de Michael Jordan dans la même phrase quand on parle d'Anthony Edwards. Est-ce qu'on va pas un peu loin? Et si oui, quelles seraient les similitudes selon vous? Il a certains moves, certaines mimiques. Là, par exemple, cette nuit, il a mis un 3 points. Le haussement d'épaule. Il est revenu en haussement d'épaule. Ouais, c'est du Jordan tout craché. Moi, j'ai regardé justement ce match cette nuit. Il limite les Nuggets à 80 points. Il n'y a pas Rudy Gobert. Je sais pas, il y a une énergie dans cette équipe. On sent qu'il y a une force naturelle qui s'y dégage. Et ça me fait penser un peu aux Bulls des années 90 de Jordan, qui lui aussi insufflait la même énergie à ses coéquipiers. Cette même rage de vaincre, ce plaisir de jouer, de trash-talker, mais toujours à travers le jeu, les moins 40, moins 38, moins... Ouais. Voilà. Voilà, sans te faire trop de mal à tes oreilles, mais voilà. Donc, je trouve que, ouais, c'est dans la comparaison, même sans parler de move, juste dans l'énergie, dans l'état d'esprit, je trouve que c'est aussi, il le ressemble. Est-ce que, en restant toujours sur ce principe de comparaison, c'est pas plus une sorte de D-Wade, un peu Dwayne Wade, époque Miami? Déjà, les morphotypes sont un peu les mêmes, plus qu'un Kobe ou un Jordan dans l'expression du jeu, là, je vous emmène vers là. Bon, alors, quand moi, je le vois monter au panier, il m'impressionne comme D-Wade m'impressionnait que, du temps où il était au Heat. Okay. Après, de là, le comparer à Jordan, pour moi, je trouve que c'est un peu trop tôt, que c'est un peu trop fort. Après, c'est tout le malheur que je lui souhaite. Mais là, pour moi, la comparaison avec Dwayne Wade lui convient, à mon sens, lui convient davantage. Bon. Ouais, c'est parce que c'est moins élevé que Jordan. Ouais. Moi, franchement, je dis pas qu'il est au niveau de Jordan. Par contre, dans l'énergie, c'est ça, en fait. Ouais, complètement. On se rappelle de D-Wade Heat, énormément d'énergie. Il y avait un côté leader aussi. Moins prononcé, peut-être. Tout à fait. Ouais. Edwards. Bon, on va suivre un peu l'éclosion, hein, parce qu'on parle d'éclosion d'Anthony Edwards. Hein, ça surprend tout le monde. On l'avait en tout début de saison, on l'avait déjà encensé, souviens-toi, parce qu'il avait porté Team USA au Mondial. Tout à fait. D'ailleurs, il a eu un propos sur Team USA en plus. Oui, il a dit, et puis il a hâte de... Enfin, toi, en plus, ça fait il a hâte de revenir, et puis il a remercié Team USA de l'avoir pris l'été dernier, parce que ça l'a lancé dans cette saison, et on voit tout le bienfait des progrès d'Anthony Edwards. Il a hâte de rechambrer Kevin Durant avec l'équipe américaine, d'ailleurs. Bon, eh ben, on va voir ça, peut-être pas trop, parce qu'il va falloir qu'ils jouent ensemble, quand même. c'est mieux pour la cohésion. On peut quand même finir avec Anthony Edwards pour rappeler qu'ils ont quand même... Ils mènent 2-0 dans leur série face aux Nuggets. 6 matchs suivis à l'extérieur. 0-2, donc, voilà. Et il a mis combien 43 points au match d'avant, et là, 30... Très, très fort. 27. Voilà, donc, merci, monsieur. 32 points de moyenne depuis le début des playoffs, en espérant que ça continue pour lui. Et c'est Wolves et Rudy Gobert qu'on... Ils peuvent aller loin. Allez, on va conclure, messieurs. Ça a été Farage pour cette première? Je suis triste que ça passe vite, hein. Ah ouais, ça passe trop. Bon, je te dis en public, on ne te reprendra pas. Non, tu peux pas. Je peux pas. C'était pas assez. Après l'avoir dit en privé. Bien sûr, tu reviens quand tu veux. Merci d'avoir été avec nous. Bravo. Un vrai plaisir de t'accueillir. Ce fut un plaisir. Et à la prochaine, j'espère. Ouais, dans 2 semaines. On sera là dans 2 semaines. Avec plaisir. Si t'es là. Merci, vous êtes une belle personne. Merci. Merci à toi. On sait que tu t'envoles du côté de. De la Guadeloupe. Bon, on profite bien. On voit une petite carte postale. Je sais que ça se fait plus, mais bon. On voit une petite photo de carte postale. Ouais. Moi, je veux que tu passes un bonjour à ma famille. Oula, on va s'arrêter là. Bastère, ça sera à côté de Marie-Grante. Exactement. Paul, merci beaucoup. Et ben, merci à toi, merci à vous. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Eh oui, ça marche. Communauté Hype, merci beaucoup. On va remercier Lucien et toutes les équipes en régie pour avoir préparé cette émission. Puis, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Merci, Lulu, t'es le meilleur. Ciao.